Ben bon, c'est qui nous tu connais qui dans Maurice, Berkeley et tout man cité ouvrière en général, comment par exemple Rochebois, Lacure ou peu importe qui man cité ouvrière qui est là. Souvent dis-moi une mauvaise image, une bonne idée reçue, une bonne stéréotype qui est attaché, Préjugés. un bonne préjugé qui est attaché à cet endroit-là, comme quoi, ben là-bas il y a 10 bonnes fléaux sociaux. Il y a ce qui n'est pas bon, par exemple, que la drogue, il y a un problème que tout le monde concerné là-dedans. Et me penser que nous attachons peut-être trop beaucoup l'importance à l'image négative là, de ce bon endroit-là. Dans une certaine mesure, il est vrai, mais il y a une généralisation que tout le monde a tendance à trouver ça. Alors moi, un des moments de motivation pendant ce parcours-là, c'était aussi de pouvoir servir d'exemple et montrer que BP n'a dit ça. Il y a aussi bons affaires. Par exemple, bon, moi, d'un côté académique, mais il y a aussi beaucoup de monde qui excellent dans le domaine sportif, dans le domaine de la musique, mais qui fait ce qui amène ou pas guette ça l'aspect-là de ma cité ouvrière, qui fait ce qui tous les temps nous guette juste l'aspect négatif. Alors pour moi, c'est ça la stigmatisation, c'est que ça, c'est l'image qui dit monde et n'a tous les temps l'endroit-là. Et même mon message, c'est que ben, c'est définitivement pas vrai. Un stéréotype, ben, est généralement mal fondé. Il y en a de tout, pareil que de tout l'endroit. C'est vrai que les fléaux sociaux sont un peu plus prévalents de ce bon endroit-là, peut-être à cause d'une forme d'exclusion sociale, c'est souvent une poche de pauvreté, Inégalité d'échange. inégalité des chances. Mais pénaliser ça, je suis bien capable d'être au-delà de sa image qui avant qui est là, et aussi peut-être pas généraliser, pas parce qu'il y a un segment de une certaine population qui est impliquée dans certaines affaires, c'est pas il va dire que tout le monde dans le même panier. Et aussi la stigmatisation, moi je suis vraiment pas bon, dans le sens que souvent Andy Moon qui reste dans ce même endroit-là, les juger pas sur l'endroit avant même d'être jugé pour ce qu'il y était, pour Andy Moon qu'il y était. Andy Moon finit attache une certaine étiquette lowly juste parce qu'il y reste dans cet endroit-là. Alors pour moi, c'est ça mon message à eux, qu'ils aient bien capable de guetter, ben c'est pas toujours le cas. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.